Que sait-on de la danse traditionnelle tahitienne aujourd'hui? Loin des lagons turquoises polynésiens, l'image de la danse à Tahiti est partielle. Elle reste de nos jours à la fois connue et mal connue. De nombreux clichés datant du XVIIIe siècle persistent. Véhiculés par les récits de voyages des premières expéditions de Bougainville et de Cook, ils sont encore au cœur de la perception occidentale. Certains retiennent simplement l'imposant costume agrémenté de fleurs de l'île mythique de Tahiti. D'autres n'évoquent que les mouvements de hanches des danseuses tahitiennes et les interprètent souvent comme de la séduction. Les postures et les attitudes des danseurs sont perçues comme de la simulation de rites guerriers. Beaucoup pensent aussi qu'il s'agit d'une danse ancestrale, ancrée dans des temps immémoriaux et qui aurait traversé les siècles, figée dans un passé mythique. Finalement, entre interdiction, réhabilitation et exportation, la signification de cette danse demeure obscure et mystérieuse. Malgré cela, la danse est désormais omniprésente à Tahiti. L'apogée de son expression artistique est le concours appelé Heiva et Tahiti. Plus ancien concours de danse de l'Océanie, le Heiva et Tahiti fédère annuellement 30 000 spectateurs et quelques milliers d'artistes. La population tahitienne s'investit profondément dans la longue préparation de cet événement culturel, souvent jalonné de difficultés. À chaque édition, des chorégraphies, des chants, des musiques, des discours, des costumes sont imaginés, et au final, un nouveau spectacle unique et éphémère voit le jour le temps d'une soirée. Le Heiva et Tahiti va au-delà d'une compétition. Jour après jour, des liens se tissent, des amitiés se nouent, et cette aventure artistique devient l'aventure humaine d'hommes et de femmes. Cette histoire commence dans un quartier de Papeete. Nichée au cœur de la capitale, la vallée de Tiperui est un endroit atypique. Quartier industriel et institutionnel, il est aussi le berceau d'une petite population profondément attachée à la valorisation du patrimoine naturel et culturel de sa vallée. En 2004, cette communauté s'est choisi un chef, John Cadusto, pour les conduire au Heiva et Tahiti sous le nom des Tamari'i Tiperui. Les enfants de la vallée de Tiperui. Depuis, ils appellent à renouer avec les légendes tahitiennes pour les partager et les danser au gré de l'inspiration de leur auteur, Vehere Cadusto Pohue. L'appel des enfants de Tiperui résonne au loin désormais.
des hommes et des femmes venus de toute l'île de Tahiti y répondent. Parmi les 60 danseurs et danseuses que comptent les Tamari Tiperui, certains ont des profils singuliers, comme Christophe, Elisabeth, Florence, Hitirere, Linaïque, Ludivine, Maeva, Marc-André, Sébastien, Tamarua ou encore Amandine. Issus de cultures et de parcours de vie différents, ils convergent vers le même lieu de répétition, l'école primaire Tohata. Par quel élan sont-ils animés ? Comment des personnes au parcours de vie si différents se sont-ils retrouvés à danser ensemble ? Nous sommes au mois de mars, et pour ces grands enfants de la vallée de Tiperui, les premières répétitions commencent. Comme dans la plupart des pays, la danse attire majoritairement les filles. Moi, j'ai commencé la danse à l'âge de 5 ans, donc dans les écoles de danse. Et donc voilà, je ne me suis pas arrêtée jusqu'à Paris. Paris, pour moi, je commençais depuis toute petite dans la paroisse et jusqu'à maintenant. J'ai commencé à apprendre le Ri Tahiti en Nouvelle-Calédonie en 1984 avec Janine Marou, qui aujourd'hui vit depuis plusieurs années ici et qui a donc qui assurait des cours en Nouvelle-Calédonie que je suivais le plus assidûment possible et qui m'a donc enseigné les bases du Ri Tahiti, de la danse polynésienne. Pour certaines, la pratique de la danse est une grande première. C'est la première année que je danse réellement. J'ai jamais fait à l'école, j'ai jamais eu le temps. On m'a proposé de venir danser parce que c'est une copine qui venait danser et tout ça. Elle m'a dit c'est sympa et puis finalement, ça l'est. Parfois, c'est à l'issue d'une longue interruption que renaît l'envie de danser. C'est la fin. En sixième, je faisais partie d'un groupe en Nouvelle-Calédonie et c'est la seule expérience de danse que j'ai, parce que après j'ai arrêté et ça m'intéressait pas, c'est drôle, mais quand j'étais jeune ça m'intéressait pas. Là, c'était ma mère qui m'avait mis dans la danse pendant une année et c'est tout ce que j'ai de la danse et j'aime bien regarder les danses, mais danser moi-même je n'avais pas fait avant cette année. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans au conservatoire de Polynésie. Je l'ai fait jusqu'à au moins 12 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, après, je suis passée du côté classique, en fait, du conservatoire. Donc, j'ai arrêté le traditionnel pour passer au classique. Mais bon, la danse traditionnelle restait pour moi... c'est toujours resté ancré, quoi. Et donc, ça va faire un peu plus de 10 ans que j'avais pas repris la danse.
la danse suscite aussi l'intérêt des garçons. À Tahiti, l'originalité de leur expression est qu'ils ont leur propre chorégraphie. Originaire de l'archipel des Tuamotu, Sébastien Viapapeari, une commune de l'île de Tahiti. Malgré les 53 km le séparant du quartier de Tiperui, il fait partie des garçons qui ont répondu à l'appel du groupe pour pallier au manque d'effectifs masculins. Sébastien possède une bonne pratique du hip-hop, mais cette année, il souhaite renouer avec ses racines culturelles. Il arrive souvent que les danseurs viennent à se lancer dans le Hori Tahiti de manière impromptue. C'est vraiment le hasard en fait. C'était que, bah, avec ma chérie, elle c'est une amie d'enfance de John. Donc, puis un jour elle l'a croisée, puis qui lui dit: ah, bah, viens danser, c'est il y a 4 mois de ça peut-être. Du coup, elle s'est mise à la danse, puis on faisait plus grand chose ensemble, quoi, du coup. Et j'avais promis qu'un jour je viendrais tester, puis voilà, c'est comme ça. Un jour je suis allé, j'ai dansé une fois, puis deux, puis après, une fois que t'es pris dans l'engrenage, tu t'arrêtes. Tu peux plus t'arrêter. Parce que, ben voilà, parce que tu sympathises avec les gars qui sont là, puis ils se sont investis dans toi aussi, quoi. Ils ont pris sur leurs heures pour t'apprendre la choré, pour t'apprendre les gestes, pour t'apprendre tout ça. Et voilà, c'est. Tu n'abandonnes pas comme ça. Puis voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis, et puis ça m'a plu de plus en plus. Généralement, loin d'être le fruit du hasard, leur entrée dans le groupe correspond souvent à un rêve, une envie plus ou moins secrète de prendre part à l'aventure du Heiva. Puis une succession de rencontres et d'événements les ont menés sur le chemin de la vallée du Tiperui. En définitive, il ne manquait plus que l'étincelle, ce petit miracle pour que l'aventure commence vraiment. L'entrée au Tamari'i Tiperui s'accompagne de la découverte de profondes valeurs humaines et culturelles qui ont su séduire et fidéliser les anciens. C'est un groupe où on accepte tout le monde. Que tu saches danser, que tu ne saches pas danser, que tu aies fait plusieurs heiva ou pas, ils acceptent vraiment tout le monde. Et puis, ce n'est pas la caricature de la fille qui a de longs cheveux, qui doit être mince, qui doit être parfaite. Ça, c'est ce que j'avais vraiment aimé. Et la musique, franchement, c'est la chose qui va toujours attirer dans Tamari'i Tiperui. Je pense que tout le monde est d'accord sur ce sujet. Tamari'i Tiperui a une musique... Ça entraîne, en fait. Tu peux pas rester juste écouter et te dire « Oh ben non, je vais pas danser, c'est impossible. » La musique et la manière de penser. La danse imprègne également certains danseurs qui l'ont pratiquée dès le plus jeune âge dans l'ombre de leurs parents. À force de regarder les parents danser des petits, hein. Les parents, ils apprennent aussi c'est quoi la culture de la danse. Quand on a su, c'est que les parents, ils ont le sang dans leurs veines. Et ça nous a pris automatiquement aussi goût à la danse. Ça a été transmis aussi en chacun d'entre nous. Ah, fight my nato, fouet! Pehere Kadusto Pohui se distingue par son expérience dans la danse. Le premier heiva auquel elle assiste à l'âge de 14 ans est une révélation. Son rêve, elle le poursuit au Conservatoire artistique de la Polynésie française où elle obtient sa médaille d'or en 2002. Pehere développe ensuite sa pratique au sein du prestigieux groupe Temaeva. Elle y acquiert une meilleure connaissance de sa culture qui prolonge une maîtrise technique perfectionnée en institution. Une autre étape de sa carrière la propulse de danseuse aux fonctions d'auteur des thèmes de Tamari'i Tiperui.
le parcours de Veihere illustre bien que la danse à Tahiti s'apparente à un véritable mode de vie, à une réappropriation de valeurs et de pratiques traditionnelles. Elle est une invitation qui se décline sous de nombreuses formes, particulièrement mélodieuse comme le aparima, ou encore dynamique et soutenue par un accompagnement musical percussif comme l'emblématique Otea. La grande constante de ces danses et leur spécificité est de marquer le temps musical avec le bas du corps. Elle est commune aux filles et aux garçons. Cependant, la façon de l'exécuter diffère chez les filles, qui placent l'accent sur la diversité des mouvements du bassin, et chez les garçons qui portent leurs efforts sur l'endurance des jambes. Cette différence d'expression entre les filles et les garçons a nourri de nombreux clichés portant sur la sensualité des mouvements des filles et la sauvagerie de ceux des garçons. Au-delà de ces représentations occidentales, l'esthétique de la danse traditionnelle tahitienne est fondée sur des valeurs qui nécessitent dans un premier temps la mise en place de groupes de travail féminins d'un côté et masculins de l'autre. Dès les premières répétitions, John décide de prendre la parole afin de transmettre son expérience de danseur en prodiguant quelques conseils judicieux et en profite pour définir les règles de vie communautaire. On fait 20 minutes, hein, à peu près. 20 minutes, ça suffit, je pense. Si c'est plus, tant mieux. Et on attaque tout de suite après les OTA, hein, OTA ou Aparima. Quand vous venez avec une bouteille d'eau, sinon il y a le robinet là-bas, hein, pas pété, il paraît que c'est propre. Alors il y a de l'eau. Si vous avez soif, vous allez boire. Mais pas gorgé. Parce qu'à tout attaque, quand vous allez là-bas, vous n'allez pas boire comme ça, ça sert à rien. C'est pas petite gorgée, il faut prendre. C'est un conseil. Sinon, vous mettez du citron, je ne sais pas, mais c'est un conseil. La cigarette, on ne peut pas fumer à l'intérieur de l'école. C'est interdit. Vous voulez fumer, vous allez dehors. Mais les pauses, quand vous fumez, ça va être très rare, faites-moi confiance. Ça va être rare, ouais. Ne vous inquiétez pas. Vous vous occuperez de ça. Essayez d'écouter, hein, les chorégraphes, tout ça. Il hein. Faut les écouter, c'est pour notre bien. Ah oui, ça c'est un truc important, je vous l'ai dit. Si vous êtes venu pour gagner de l'argent, vous avez carrément tort. On ne gagne pas. Si vous voulez avoir de l'argent, trouvez un travail, c'est le mieux pour vivre. Franchement, vous allez plus perdre de l'argent que gagner. Sans foyer, si on gagne, ça c'est bien. Mais franchement, je suis franc à vous. Hein. C'est pas la peine. Bon, si on a quelque chose, tant mieux. Hein. Mais franchement, vous n'allez pas gagner grand-chose. Hein. Au contraire, la danse, il y a un peu. Ensuite, ben c'est très bien. Je vous propose de bien vous reposer ce soir. On se revoit vendredi 17h. 7h10, ça commence. Ceux qui ne sont pas là, tant mieux. Ceux qui sont là, tant mieux. Maloulou. Bon, je vais faire la prière. L'apprentissage des chorégraphies ouvre la voie d'un long cheminement vers la soirée de concours. Chacun fait de son mieux et tente de donner le meilleur de lui-même. Malgré cette bonne volonté, la joie du commencement est menacée par les premières difficultés qui se profilent insidieusement. La participation au Hevae Tahiti est complexe. Elle implique la conciliation entre respect du règlement et de ses contraintes et les valeurs que draine l'aventure humaine et artistique. La préparation au concours dure en moyenne 6 mois. Elle relève d'un pari ambitieux. Parvenir à créer dans ce laps de temps un spectacle à thème d'une heure comprenant des chants, des danses et des musiques originales. L'apprentissage des premiers gestes qui avaient éveillé l'enthousiasme
est assombri par la nécessité de leur mémorisation toujours plus rapide. Travaillez déjà aussi avec l'expression système. Vous travaillez comme ça, vous allez continuer comme ça, système. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Pour l'ENAI, cette étape s'avère finalement plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Au début, j'ai cru que j'y arriverais jamais. En fait, c'est comme quand on reprend l'école tard, comme j'ai fait moi. C'est il y a des techniques, en fait, j'imagine, d'apprentissage. Et quand on a quitté l'école depuis longtemps et qu'on se remet à l'école après, c'est hyper dur parce qu'il faut se replonger. On a l'impression qu'on ne sait plus apprendre. Et pour la danse, c'est pareil. Là, il fallait que je réapprenne des choses. Mais c'est même pas réapprendre, c'est que j'apprenne. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Afin de répondre aux exigences du groupe, certaines filles prolongent leurs entraînements dans des endroits improbables, comme le parking de Polynésie Première, lieu de travail de l'ENAIC. Les efforts pour mémoriser sont réels, mais la coordination des pas et des gestes est moins évidente. Les danseurs en charge des répétitions, les poupro comme on les appelle, connaissent bien les difficultés de cette première étape qu'est l'apprentissage des chorégraphies. Ils font preuve de patience, mais progressivement la rigueur dans les répétitions s'intensifie. Chaque geste est corrigé. Dans la danse traditionnelle tahitienne, la gestuelle a pour fonction d'illustrer le thème, de véhiculer un message et se distingue ainsi des mouvements du bas du corps. C'est dans les aparima, qui signifient littéralement les gestes de la main, que tout un langage poétique et métaphorique est élaboré, permettant de dire l'indicible. En transcendant le sens des paroles chantées, le aparima renvoie à l'une des plus belles fonctions de la danse, celle de communiquer par le geste. Les chorégraphies sont répétées jusqu'à ce que les mouvements soient synchrones et magnifiés par leurs interprètes. Pour Ludivine, la chorégraphe des filles, la difficulté principale est avant tout d'ordre humain. C'est plutôt de gérer la mentalité de chacun, en fait, parce que les danseurs, danseuses, tout le monde arrive. Il y en a qui, c'est la première fois, il y en a qui connaissent. Et en clair, en fait, c'est toujours la même chose, quoi. C'est de pouvoir bien parler, de pouvoir bien faire comprendre aux danseurs, danseuses, le sens de ton travail et ce que tu as attendu, en fait. Nous sommes désormais à la fin du mois de mai et beaucoup de danseurs et danseuses sont loin d'être au point.
John est obligé d'intervenir pour resituer les enjeux du concours. Ça fait 2 mois pas maintenant, à peu près. Ça a commencé 2 mois à peu près. Alors, essayez de venir aux répétitions, même maman. Même si vous vous croyez fort ou fort, venez aux répétitions. C'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour nous. En train de faire la courée, on est en train, en même temps, on apprend les gestes aux autres personnes. Moi, ça me fait chier, ça. On fait la courée où on apprend les gestes, pas les deux. Vous avez la courée à apprendre, il y a d'autres personnes pour apprendre. Mais même maman, on n'est pas aussi à votre disposition. Les garçons semblent peu concernés par ces remarques. Les premières sanctions tombent. En guise de punition, une longue série de pompes. Allez, on continue, on s'arrête pas. Vous faites des gonzesses là-bas ? Mais maman, attendez, bébé. Attendez, auto. C'est le moment. C'est le moment de faire attendre à vous. Allez, 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 allez. C'est là, c'est le moment là. En revanche, la leçon de John a été bien intégrée par les chorégraphes et le rythme des répétitions s'accélère aussitôt. Il n'est pas vécu de la même manière par les danseurs. Et chacun doit faire face à ses propres limites, qu'elles soient physiques ou morales. Dès que tu te lances à fond dans quelque chose, c'est sûr que ouais, bon, au début, tu as des douleurs aux genoux, tu as mal aux genoux, tu as mal aux cuisses tout le temps. Au niveau physique, tu souffres au niveau des cannes. Si tu n'es pas affûté au niveau des cannes, tu souffres le cœur et tout, ça va. Mais au niveau des jambes, c'est vrai que les parotides et tout, là, tu as les genoux qui font mal. Le groupe des filles doit également faire face aux différents niveaux qui composent l'effectif. Pour pallier à ce nouvel obstacle, John sépare les danseuses en difficulté du reste du groupe. Elles doivent prendre conscience qu'il est désormais impératif qu'elles rattrapent leur retard. D'autres difficultés naissantes sont d'ordre culturel, la langue par exemple. Peu de danseurs maîtrisent parfaitement la langue tahitienne. Pourtant, elle est une des étapes obligées dans la participation au concours. Nombre de chants et de discours sur lesquels repose la danse et plus largement la prestation sont composés en tahitien. Alors, en ré, tu as le don, le sol dedans. Avec ça, Roya, ça. C'est quoi ça? Ça, 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 ça. Yeah, yeah. Si mineur et fa dièse mineur. Ainsi, certaines chorégraphies sont spécifiquement accompagnées de chants en tahitien comme le Aparima Himene. Préparation au Heivai Tahiti prend les allures d'un véritable parcours initiatique. Les obstacles se transforment progressivement en expériences enrichissantes et la passion autour de la danse se renforce. C'est sûr que c'est difficile, il n'y a rien qui, si c'était facile, ça n'aurait pas le même charme.
ce ne serait pas la même. Les choses qui sont faciles, on les aime. On les apprécie pas de la même manière. C'est parce que c'est difficile que ça va être, que c'est top. Ça va être dur là, ces temps-ci. Hein. On va essayer de finir ce spectacle le plus tôt possible. Et grâce à votre aide, je pense qu'on peut réussir. Il faut être conscient que ça demandera notre vie, hein. Si, voilà, c'est notre vie que l'on donne pour la danse. La danse est une école de vie. Sa pratique enseigne le dépassement de soi physiquement et moralement. Elle permet aussi de lier dans le temps patience et récompense. À force d'implication, Sébastien a renforcé sa place dans le groupe et peut désormais apporter une véritable contribution au Tamari Iti Perui. Au travail de l'apprentissage succède celui de la correction, de l'embellissement, de la sublimation. Le groupe progresse et le spectacle évolue de jour en jour. En tant que concours, le Heivai Tahiti est doté d'un règlement qui confère au groupe la possibilité de choisir un thème valorisant la tradition polynésienne. Il peut s'agir d'un épisode de l'histoire du pays, d'un lieu, d'un état d'âme ou simplement d'une pensée. À chacune de leurs participations, les Tamari Iti Perui privilégient un retour aux sources et vont puiser leur thème au cœur des nombreuses légendes qui constituent l'âme de la société tahitienne. Cette année, c'est le périple du grand voyageur Rata qui a inspiré Vehere. Le parcours de ce héros le conduit à définir les grands domaines de distinction que sont la culture de la terre, le maniement des armes, la maîtrise de la langue, l'art de la navigation et en somme tout ce qui permet de former un peuple aguerri. Il est enfin temps pour les filles et les garçons de quitter leur cloisonnement et de se réunir. Les interactions entre les filles et les garçons se font sur la base de la bienveillance et de l'encouragement mutuel. Ça fait longtemps qu'on s'approche plus avec les filles par rapport à parler. C'est différent à danser et à parler. Parce qu'à parler, c'est pas grand chose à dire par rapport à danser. À danser, c'est jusqu'au bout. Mais pour arriver à danser à côté, on a honte. Quoi. Vis-à-vis des filles, on préfère mieux encourager aussi hein, les danseuses. On sait qu'il y a des nouvelles, comme chez les anciennes. C'est pareil comme chez nous, il y a des nouveaux, comme un peu des anciens. Mais chez les filles, c'est plutôt alors, cette amitié comme des sœurs. De plus en plus, les danseurs prennent conscience des dimensions culturelles qui sont transmises dans la danse et par la danse. Chacun se construit au sein de la troupe et en constitue un élément fondamental. Le groupe de danse devient tout cohérent. Ses membres ne forment plus qu'une seule et même entité, unie et animée par la solidarité.
cette solidarité ne vient pas seulement du groupe. Elle vient aussi de la vallée. Par exemple, le groupe a la bonne surprise de recevoir les produits de cette terre que cultivent les membres de l'association Tiperui Valley. Cette courte pause leur redonne la force et la motivation nécessaires de persévérer. Cette solidarité s'organise aussi autour de la bonne volonté, du dynamisme et des disponibilités de chacun. Sébastien et Christophe partent en expédition dans la vallée à la recherche des matériaux de base que requièrent les différents costumes et décors. Ce lien direct avec la nature et la tradition permet de se réapproprier des valeurs délaissées. Tu réapprends des choses que tu oublies petit à petit. Voilà, maintenant on est tous avec ces ordi. Voilà, tu passes la moitié de la planète vit devant Facebook, à regarder des télénovelas ou des je sais pas quoi, la télé, Love Story, je sais pas, des trucs comme ça quoi. Et là tu réapprends des trucs que c'est insensé. Tout est créé, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que tout a été créé. Et chaque année, ça recommence. Il recommence tout à chaque fois. Que ce soit les costumes, que ce soit les chants, que ce soit la musique, que ce soit les gestes, que ce soit la chorégraphie, tout est parti de la base. Une passerelle. Celle de la confiance et de l'humilité s'établit au fil du temps entre les aînés et les jeunes. Les garçons sont désormais guidés par les conseils de ces experts et développent des talents dans la fabrication ou la teinture des matières. Ils se familiarisent avec les procédés traditionnels ancestraux, véritable gage de la qualité des costumes qu'ils porteront bientôt. Par exemple, pour réaliser le costume de danse appelé moré, les garçons récoltent l'écorce interne de l'arbre Purao. Celle-ci est ensuite trempée dans l'eau de mer. Pour des raisons de proximité, les garçons ont établi leur installation dans la rade de Papeete. D'abord, on en coupe des branches fraîches, puis on retire l'écorce. Ensuite, on trempe dans la mer pendant 2 semaines. Il faut le laisser dans l'eau de mer, ou sinon on peut le tremper dans de la boue pour 1 semaine. C'est juste pour que la peau là, elle devienne comme ça, elle pourrisse. Et on récupère ses brins, tout ça. Hein.
devait avoir quelque chose de beau pour le spectacle. Avec tout ça. Chaque geste transmis est soigneusement reproduit. La bonne volonté et le travail consciencieux des produits bruts de la terre permettent de finaliser le moré, l'élément fondamental du costume de danse traditionnelle tahitienne. La dernière ligne droite est amorcée. Dans cette étape du dépassement de soi, les enfants de la vallée de Tiperui ont réussi à construire une cohésion de groupe solide, basée sur l'unité. Ils sont passés outre les écueils de la préparation et entrent de plein pied dans l'ultime étape qui les conduira sur la scène de Tohata. Tahiti, le lien dans ses natures est très étroit. De nombreux aspects de la prestation ne peuvent être anticipés et sont réalisés dans l'urgence, au dernier moment. Dans cette nouvelle étape, l'entraide s'élargit et devient communautaire. Elle n'englobe plus seulement un groupe, elle engage la famille, les amis qui viennent en renfort. Ils se transforment en petites mains qui peaufinent les costumes végétaux et soutiennent émotionnellement les danseurs. L'heure est venue de parfaire les multiples détails. Entre-temps, l'enjeu du concours a fini par piquer au vif les danseurs qui s'y préparent avec une détermination farouche. La volonté de se mesurer certainement, mais surtout l'envie profonde de porter dignement les couleurs et de transmettre le patrimoine de la vallée de Tiperui. Là, c'est l'esprit de groupe qui fait corps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'idée qu'on est dans un groupe. On ne va pas aller chercher une telle ou une telle, c'est pas ça. C'est le groupe. Donc, le groupe, le jury va juger le groupe. Les alignements, la chorégraphie dans son ensemble, ce n'est pas une personne qui vise. Ce n'est pas le cas du meilleur danseur ou de la meilleure danseuse. Là, c'est le groupe. Alors, on n'a pas le droit de faire capoter le groupe par ses erreurs. Mais là, l'émulation, elle vient sur les trois dernières semaines. La répétition générale sur la place Tohata a eu lieu. Et la portée identitaire de la danse s'ancre de plus en plus dans chacun des membres du groupe. Elle se manifeste dans le renforcement du sentiment d'appartenance et dans l'expression artistique et culturelle forte. La culture, c'est quelque chose de très important pour moi. Respect pour ceux qui ont construit le pays. Le Tioulé a été devenu le pays. Maintenant, vous allez aller à Tohata. Au nom de Tiperui, et pour moi Tiperui, ça a été construit par des gens qui ne sont plus ici de ce monde. Tiperui a gagné 3 fois le Heiyu. C'est pas n'importe qui. Mettez-vous bien ça dans la tête. On va pas aller au Heiyu pour les fans, on va au Heiyu pour Tiperui. D'abord, pour l'amour de la danse, l'amour de la culture, l'amour de ta terre. Et ton pays, n'oubliez jamais ça. Moi, je sais d'où je viens. Je viens de Tiperui. J'ai grandi au Tiperui. Je suis devenu grand-père à Tiperui.
Et ça, je ne vais pas oublier. Il y a plein de jeunes qui ne font pas partie du quartier de Tipperary. Ça, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tipperary a une histoire. Tipperary a un âme. Tipperary a un esprit. Il ne faut jamais oublier ça. Et ça, je vais vous rappeler encore, même aux anciens, je les vois là. Pensez d'abord à ça. Vous dansez pour qui? Et pourquoi vous dansez? Est-ce que c'est pour les fans, c'est moi? Est-ce que c'est pour faire joli, c'est moi? Est-ce que j'ai envie que ma copine me voit? Si c'est ça, c'est déjà foutu. Vous dansez, on a un thème. Ce soir, on est à trois tables, vous dansez, rata. Et nous aussi, on oublie tout. Parce que si on a laissé nos familles pour venir ici, c'est pas ailleurs pour aller là-bas faire du joujou. Même si on ne gagne pas, même si on n'a pas un prix, que les gens puissent dire, vous avez fait du bon travail. C'est tout ce que je veux. Qu'on descende de là, mais ma marou, ne te porte pas au pas nombre. Merci pour le travail que vous avez fourni. C'est tout ce que je vous demande. Avec humilité et respect. Dans l'attente, dans les gestes, financièrement, humainement. Moi, je suis fier de vous, malgré tous nos soucis. Et je compte aussi aller jusqu'au bout, atteindre l'objectif d'aller sur la scène, de partager cette émotion envers le public, envers les amis, la famille et ceux qui regardent aussi. On a commencé difficilement. On a failli arrêter. Ils n'étaient pas au courant. On a failli arrêter parce qu'on n'avait pas de garçon. Ces gars-là, tu les oublies pas. Continue, c'est vrai qu'après, autant de temps, même à 70 ans, tu te souviendras de ton premier rival avec ces gars-là. C'est plus ça que tu te souviendras. Tu te souviendras plus de tes chorés, tu te souviendras plus de la musique, mais tu te souviendras de ces chorés avec ces gars. Je sais qu'il y en a au Japon ou en France qui aimeraient bien monter sur la scène de Tuata parce que c'est quelque chose de fort, monter sur Tuata. C'est vraiment quelque chose d'unique, hein, le rêve. Danser le Ritaïti, c'est aussi s'approprier, essayer de connaître ce qu'est la Polynésie et ce qu'est Tahiti et ce qu'est le peuple maori. C'est l'essentiel en fait, ça traduit effectivement tout un peuple. Par rapport à cette danse tahitienne, ça donne l'amour, ça me soulage le corps.
voulais juste que vous reteniez bien ça. Qu'on a failli ne pas y aller. Jeudi, je veux 1000%. C'est pour nous qui avons œuvré. Nous tous. Je parle de nous tous. Et vous montrer qu'on est là. On va placer notre pierre. On va créer notre marque. Que les gens savent. Thomas Hyper, lui, danse, est toujours là. Et vos enfants se souviendront de nous. C'est tout ce que je veux entendre, en fait. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, les légendes, ça doit continuer. Voilà, ça c'est notre légende. On vient vous partager avec amour. Et soyons heureux. Hein. Finalement, Christophe, Elisabeth, Florence, Hitirere, Linaïque, Ludivine, Maëva, Marc-André, Sébastien, Tamarwa, Amandine et tous les membres de la troupe sont profondément devenus les enfants de la vallée de Tipperui. Ils ont accompli leur rêve, celui d'aller au bout de l'aventure au nom d'un seul et même groupe, les Tamari'i Tipperui. La danse traditionnelle, c'est finalement l'incontournable expression de l'identité tahitienne. Elle est cette parole unitaire de la communauté qui parodie, fête, pleure, se part au combat, accueille, réconcilie, loue ses divinités. Les musiques, tantôt chantées, tantôt percussives, soutiennent des mouvements qui rapportent les coutumes et continuent de véhiculer les légendes. Avec l'aventure du Heiva et Tahiti, se profile une meilleure connaissance de soi. Par la réappropriation de valeurs et de pratiques traditionnelles, cette reconquête identitaire, c'est aussi celle du lien aux ancêtres et au passé.